Les amis, est-ce que vous connaissez Reddit? À mon avis, je pense que oui, à moins que tu vives peut-être dans une grotte, je ne sais pas. En tout cas, si tu aimes bien regarder des vidéos YouTube, tu connais forcément Reddit. Alors, pour la petite histoire, les amis, moi, il faut savoir que avec Reddit, j'ai beaucoup de mal. Parce que Reddit, je connais pas énormément, tu vois. Et comme presque tout est en anglais, j'arrive jamais en fait à comprendre et à savoir comment ce qu'ils font les autres YouTubeurs pour essayer à trouver des comptes originaux, tu vois, avec des concepts super cool. Donc là, je vous avoue que pour ces vidéos, je me suis aidé de Amixem pour trouver un compte assez fun. Et j'ai trouvé le compte où en fait, c'est des vidéos inattendues. Ou des images inattendues. Donc en gros, tu regardes quelque chose et ensuite il se passe un truc. T'es là en mode oula, j'étais clairement pas prêt, tu vois. Magnifique jeu d'acteur aussi au passage. Donc je compte sur vous les petites frites pour me mettre dans les commentaires et ben justement des comptes avec des concepts originaux, que ce soit drôle, effrayant, chelou. Vous mettez tout ça. Ça, si vous aimez les vidéos Reddit, et ben je pourrais en refaire et ben dans l'avenir. Bref, en tout cas, j'espère que vous êtes prêts. Aujourd'hui, j'espère qu'on va passer un bon moment. Let's go. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne secondaire qui est dans la description. Merci. Je connais le kung fu. Alors attends, on va se lancer tout seul là. Attendez, laissez-moi le temps un petit peu s'il vous plaît. Donc t'es un mec qui fait clairement un entraînement militaire. Les gars, je sais pas si c'est quelqu'un qui fait bouger la corde, mais franchement, c'est pas cool, les gars. Respectez-le, s'il vous plaît, respectez-le. Par contre, on en parle de la qualité de la vidéo ou pas? Allez, mec, tu peux le faire. Ah bah voilà, c'est tout en fait. C'est génial, putain. Le gamin vire sur le bord, c'est la traduction. Ok, il saute sur une bagnole de flic. Il y a le policier qui fait pareil et qui continue de poursuivre avec un skateboard. Très bien. On n'arriverait jamais près de chez nous, mec. Ça, à mon avis, ça se passe au state, c'est pas possible. Ok, toc toc. Y a pas de son, c'est bizarre. Ouah, mec, il m'a fait trop peur, putain. Il m'a fait trop peur, le gris. Alors qu'il est tout mignon, mais juste avec ses yeux là dans le noir. Il m'a fait trop flipper. Imagine t'es chez toi tranquillou. On toque chez toi, t'es devant une série Netflix. Tu vois la porte qui s'ouvre et tu vois un ours comme ça juste devant toi, mec. Je vais juste voir la suite pour voir s'il y a pas un autre truc de drôle. Ah d'accord, très bien, on lui donne à manger dans le plus grand des calmes. Mec, c'est n'importe quoi. Comment tu veux pas flipper en sortant dehors en voyant ça, mec? Alors je vais le faire moi-même, on va mettre le son. Oh merde, le bâtard. Fait peur en faisant semblant qu'il allait lui balancer de l'eau dans la gueule. Et au final, il s'est pété la tête. Ah putain, le pauvre. Et il finit dans l'eau. Genre, c'est vraiment un bâtard. J'espère qu'il va se ramasser le karma celui-là et qu'il va lui arriver la même chose. Est-ce que Ring est au super-héros? Attends, le mec est dans la flotte. Il fait un cercle. Et ça fait tomber les pierres. Excellent, gros. Je sais pas comment il a fait ça en vrai. Genre, comment c'est possible de faire ça? Il a un truc dans la main, je crois. En vrai, je crois qu'il a un truc dans la main qui lui permet de faire ça. Alors, je souffre physiquement maintenant. Quel. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il essaye de se garer très clairement, je pense. C'est pas la galère, on passe mytho. La femme sort, le mec essaye. Galère encore. Après, ils vont jamais y arriver, gros. Ils vont jamais réussir à se garer, c'est impossible. Ok, t'as un gars qui débarque en scooter. Il rentre dans la bagnole et il garde la bagnole dans le plus grand égal. Mec, ce gars-là, il est arrivé, il a posé ses couilles sur le game. Gros, il a mis d'accord tout le monde là. Excellent. Alors, avons-nous heurté une souche d'arbre? C'est ça la trad. Un bateau. Ça bouge un peu. Y'a pas de son, donc c'est un peu compliqué de savoir ce qui se passe. Oh, hey, c'est notre deuxième ami. C'est pas du tout une souche d'arbre là. Putain, en vrai, on dirait vraiment une souche d'arbre pour le coup. Mais c'est clairement un crocodile, hein. Waouh, mec, on dirait vraiment un arbre. Putain, ça doit faire flipper de fou. Tu vois ça, tu dois vraiment, vraiment être en panique. Qu'est-ce que c'est que ça? Le temps de dormir, du coup. Ah merde, Rick, putain. Putain, il a dû se faire trop mal par contre en vrai. Enfin, j'ai l'impression que. Ouais, ça va, franchement, tranquille. Regarde comment genre, il a réussi à se rattraper. Je sais pas si c'est voulu ou si c'est pas fait exprès, mais regarde, hop, grâce à la barre, il a réussi à plus ou moins se maintenir et maintenir sa chute. Putain, c'est chaud. Voilà pourquoi, les amis, ne jamais prendre un lit superposé. De toute façon, les lits superposés, c'est plus quand t'es gosse. Donc, préconisez plutôt un bon grand lit de personne. Au moins, tranquille, t'auras jamais ce problème là. Enfin, si ça t'arrive, t'auras beaucoup moins mal, ça c'est sûr. What? Ah oui, c'est le jeu de la carte, ok. Tu te files la carte, tu dois essayer de garder la carte sur toi. Qu'est-ce qui va se passer avec lui, gros? Ok, on lui fait un effet chelou. What the fuck? Le bâtard! Enlever la carte au dernier moment. C'est vraiment un salaud. Ah, faut que c'est drôle quand même. Ah non, le pauvre tout. Oh, les bâtards, putain. Mais faites pas ça, mais c'est super bien réalisé en vrai. Ah ouais, mais quand tu sais pas, franchement, t'as vraiment l'impression qu'il y a un chien là, mais c'est un effet de montage. Tour iPhone. Ok, elle prend. D'accord, très bien. Ils font croire en fait qu'il lui donne une clope. Alors qu'en fait c'est juste un chewing-gum. On a connu ça, genre vous aviez pas eu ça vous quand vous étiez gamin? Genre tu sais, pour faire un petit peu le malin et tout, t'avais des cigarettes, c'était des chewing-gum en fait. Et je me souviens même qu'à une époque ça avait carrément step up. T'avais les cigarettes chewing-gum et quand tu soufflais, il y avait un petit peu de fumée qui sortait. Bon, je pense clairement que là on va avoir un accident, c'est sûr et certain. Waouh, attends, il vient de se passer quoi là? C'est réel ça? Il y a une voiture qui passe. Attends, mais non, ça n'a rien à voir, mais j'arrive pas à... Ah, c'est la roue de la bagnole, je pense. Oui, c'est ça, c'est la roue de la bagnole qui s'est tirée, qui a fauché le mec. Ah, la violence. Ah ouais, mec, hey, il a dû se faire trop mal. Hein. Tu vois à quelle vitesse ça arrivait. Regardez, on voit le pneu même ici. J'espère que le gars n'a rien de grave, mais à mon avis, j'en doute. Alors, je ne me rappelle pas de je sais pas quoi. Ok, donc toi et moi, nous sommes des frères.
Ouais. Et gros, depuis quand Bob il fait ça, mec? Moi, si c'est vraiment apparu dans un vrai épisode, n'hésitez pas à me dire si vous le savez dans les commentaires. Mais gros, j'aurais vu ça étant gosse, je pense que j'aurais été traumatisé. Ok, office sexy time. Allez, chauffe le gars, tranquillou. Donc retrouve-moi après le boulot, t'inquiète pas, on va faire des choses, on va aller manger ensemble. D'accord, très bien, là ça part un petit peu trop loin. Mais je sens la chute arriver. D'accord, toujours plus. Ah merde. Bon, c'est clairement un fake, hein, ça c'est sûr et certain. Ce genre de situation, si ça t'arrive, tu dois tellement être pas bien. Et le mec, au lieu d'essayer de lui faire comprendre qu'elle doit arrêter ou quoi, parce que voilà, il y a un truc. Oh non, il continue, il la laisse dans son délire. Je comprends pas, il se passe quoi? Elle voit un truc qui leur font peur, mais je sais pas c'est quoi. Oh putain, d'accord, très bien. Ok, il y avait un singe qui s'est ravé dans le plus grand des calmes. Alors, le pire, c'est que sans pression, il graille les bonbons après. Il s'en bat les couilles, gros. Alors, chien versus facteur. J'ai jamais compris pourquoi les chiens ils aimaient pas les facteurs, je comprends pas. Enfin, après, vous allez me dire, c'est un peu un cliché, mais c'est vrai que tous les chiens généralement ils sont pas très fans des facteurs. T'as un gars qui arrive, ok. Il essaie d'attraper le chien. Il attrape le chien. Facteur se barre et il tombe. Ok, bah pas de chance. Dans sa tête, il doit se dire putain, mais quelle journée de merde encore là. Je déteste mon métier. Alors, quelqu'un, un gars, entend du bruit dans la cuisine. Est-ce que c'est un chat? Non, c'est un éléphant dans le plus grand des calmes. Ok, tout va bien. KO, c'est quoi ça? Ça se fight, ça joue plutôt. Ça va partir en sec à mon avis, mais je sais pas si c'est la fille qui va se manger un KO, si c'est le mec. Faut pas la faire chier. Tu vois tous ceux qui disent ouais les filles c'est moins fort que les gars. Et t'inquiète pas qu'il y a des filles gros, elles sont trois fois plus fortes que toi. Là je pense que le mec il a compris que c'est pas parce que c'est un mec qu'il aura forcément le dessus. Et là que shooting Finch, un barrel. Putain d'accord, il se fait tirer dessus, il essaie de lui faire. Quoi, mec. Ça n'a aucun sens, putain, ce truc. Ça existe vraiment, cet animé. Je veux la référence, je veux le nom de cet animé. Vraiment, attends, on se la refait vite fait. Donc le mec va tomber, il lui tire dessus à chaque doigt. Et là, ça part complètement en couille, mec, c'est excellent. Alors, je suis sûr qu'elle va mourir, je crois que c'est un truc comme ça. Une moto en plein désert. Wouah, mec. Putain, j'étais pas prêt, gros. Ah, franchement, il serait mort, hein. Clairement, sans parachute. Imagine le parachute, il se lance pas. Les mecs meurent direct, et même la moto, j'avais pas fait gaffe, même la moto en parachute. Honnêtement, tu me demanderais de faire ça, même avec un parachute, j'oserais quand même pas. Minimum, ok, un mec qui fait du basket, hop. Et le dunk qui finit sur une flaque d'eau, très bien. Un gosse avec un 9, je crois. Ok, il casse l'œuf dans le plus grand des cas, mec, what the fuck. Genre l'œuf, il se casse comme ça, genre en deux. Et la grand-mère qui est choquée, attends, c'est leur PJPP. Mais gros, genre vraiment, le mec c'est pèse, c'est une paire de ciseaux. Excuse-moi, mec, j'ai un problème. J'aimerais bien couper cette feuille en deux, mais je n'ai pas de paire de ciseaux. T'inquiète, frérot, j'ai la solution. C'est comme faille. Oh, il est beau, le chien. C'est super beau, mais j'ai pas compris dans quoi il était là en fait. Il est dans une couverture, non? Bon, en tout cas, il est mignon, j'ai pas trop compris le délire. Mignon, et c'est suffisant, y'a pas besoin de chercher midi à 14h. Alors, c'est un petit dernier, les amis. Genre, on va piocher comme ça au hasard ensemble, nom nom, on sait pas ce que c'est. On met, on balance et on verra bien. Allez, c'est parti. Un lac, tranquillement. C'est paisible, ambiance ASMR. Et t'as clairement un castor qui est là en train de grailler une canne à pêche. Parce que je crois que c'est une canne à pêche ou c'est un bâton, je sais pas. En tout cas, il est en train de mener sa meilleure vie. Là, il était clairement en train de set up un nouveau barrage. Bref, en tout cas, les amis, c'était vraiment cool cette petite vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Voilà, c'est des vidéos, nos prises de tête. Pas très originales, mais au moins on se prend pas la tête et on passe un bon moment. Tu vois, c'est ça le plus important. Du coup, bah, si vous voulez que je refasse d'autres vidéos un petit peu Reddit dans l'avenir, montrez-le moi en mettant un maximum de pouces bleus. Et bien évidemment, en mettant dans les commentaires. Mais surtout, j'ai besoin de vous. Balancez-moi des noms de comptes Reddit et expliquez-moi un petit peu le concept de ces comptes, histoire que je puisse peut-être refaire d'autres vidéos dans l'avenir. Je compte sur vous. Bref, en tout cas, les amis, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner ici à ma chaîne secondaire juste ici ou checker toutes mes autres vidéos juste ici. C'était votre bon vieux Fried comme toujours. Et d'ici là, bah, je vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye tout le monde.